Et ce que l'histoire ne montre pas, c'est qu'à la fin, j'étale Chips et Twix, voilà, avec toute la puissance de l'Amérique du Nord. Mais ça, ce sera ce soir, le Riff Rivals EU contre Enei. Avant ça, il reste un match pour le Riff Rivals aujourd'hui de l'Asie. Et bien, ce sera entre les Warriors et les Katy Rollsters. Warriors, actuellement premier du groupe B. Ils ont perdu contre une seule équipe, c'était contre Edward Gaming. Et ils ont mis 2-0 à toutes les autres dans leur groupe. Donc... une équipe de valeur tout de même. Une équipe plus que de valeur, effectivement, quand on connaît le niveau de la Chine, hein, justement, on a vu ça toute la matinée. Et les Warriors, c'est une équipe chinoise, mais qui joue pas que méta Cariadé, hein, parce que en l'occurrence, SMLZ, il a joué du Cartus Bot, de la Morgana, du Heimerdinger, du Vladimir. Du coup, lui, il va pas être surpris. Cette équipe-là, c'est une des rares équipes chinoises qui se cantonne pas uniquement au playstyle fantassin, enfin tireur distance sur la botlane. Et du coup, les Katy Rollsters n'auront pas cet effet de surprise. Alors, même si tout à l'heure, ils ont fait une superbe game en termes stratégiques, on verra ce que ça va donner face à une équipe d'un autre calibre. D'un autre calibre, effectivement, c'est pas le même défi qui attend les Katy sur cette game. D'autant que, eh bien, du côté des Rogue Warriors, eh bien, contrairement à beaucoup d'équipes de la LPL, ils ont osé. Ils ont osé certains pics, ils ont osé la Morgana en ADC, ils ont osé le Heimerdinger, ils ont osé le Draven, ils ont osé le Vladimir. Donc c'est le Fiddlestick, voilà. On a une équipe tout de même qui a plus d'une corde à son arc aussi et qui est venue, alors je ne sais pas s'ils ont cherché ou ils ont trouvé ces techniques d'après ce qu'a fait l'Europe et l'Amérique du Nord, mais en tout cas ils sont sortis en dehors de leur zone de confort et ça en fait un adversaire imprévisible. Bah, imprévisible, et ce qui est intéressant aussi c'est au niveau de la midline, parce qu'on a souvent vu dans les régions coréennes, européennes, américaines, soit des Cariapé, soit globalement des Irelia, mais on va rarement, et autre que ça, on va rarement prendre d'autres pics. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Faker sur Atrox, Poppy, mais là on a du coup beaucoup de Atrox mid, du Kled mid qui a été joué 4 fois par Dwinby. En contre, justement, en contre à cette Irelia. Ouais, en contre, enfin il y a eu aussi du Renekton, du Horn mid, et finalement Dwinby il a joué quoi? 2 Cassio et 1 Galio. Le reste c'est que des pics bruiseurs, des pics type top lane en général, et ça par contre ça peut être gênant pour la mid lane parce que bah, t'es pas forcément habitué à affronter ce genre de pics. Alors on a vu pas mal de choses, mais effectivement on joue en contre, on va avoir une interview de Smeb, on revient juste après. 굉장히 좀 게임을 많이 보진 못했지만 좀 새로운 시도를 많이 하는 팀이라고 알고 있거든요. 그래서 좀 그 새로운 시도를 많이 하는 그 도인비 선수가 가장 좀 경계 대상인 것 같아요. 일단 마우스 선수는 제가 개인적으로 제일 좋아하는 탑라이너거든요. 중국 선수들 중에. 그래서 굉장히 재밌을 것 같고 그리고 이제 저희 팀원들 중에서도 EDG 출신이 있잖아요. 그래서 네, 그런 점도 좀 재밌는 것 같아요. Et du coup effectivement voilà un SMEB eh bien, qui montre que Katie ne va pas sous-estimer les Rogue Warriors parce que eh bien, voilà, il y a ce Doinby qui est assez énigmatique. Il rappelle la petite histoire, c'est vrai que Deft jouait chez Edward Gaming encore l'année passée, voilà, il n'est arrivé que cette année, il n'est revenu que cette année du côté de la Corée. Et je suis très impatient Gardoum de voir ce match parce que oui, on devrait sortir pardon, des sentiers battus. On devrait, d'ailleurs il y a eu le ban de Kled, hein. C'est le Kled de Doinby avec ses fameuses Dark Technologies, j'aime beaucoup l'expression de SMEB. Récupération de la Sejuani côté Katie Rollsters et en face les bans sont assez communs tout de même, Swain Nocturne et le nouveau Atrox qui est un pick craint et respecté. On n'a pas touché à la Zoé encore, je sais pas ce que je... On l'a vu à la première game de la deuxième game de la journée, moi je te fais confiance quand tu dis que c'est craint et respecté, moi pour l'instant... Je demande encore à être totalement convaincu par le nouveau Atrox du 6.12, enfin du coup 6.13, parce que sur le 6.12 il était vraiment à chier, et sur le 6.13 c'était bien mieux. Bah, quand Khan ou Kin vont jouer, ça va être monstrueux, tout simplement. Lucian récupéré du côté des Rogue Warriors, la Zoé qui est toujours dispo, et je suis un peu surpris, c'est un pick qui est souvent prioritaire tout de même. Ouais, c'est une Zoé qui sort, je sens que du côté de Yukol, il va y avoir... Galio. Va y avoir un truc ouais pour Doinby. Doinby il a un pool de champ. Il joue en contre et d'ailleurs ils sont en red side. C'est je pense le side où les Rogue Warriors sont le plus dangereux parce que du coup ils peuvent jouer en contre. Ah bah ils ont la plupart de leurs victoires, ils sont actuellement à 7 wins et une défaite en red side les Rogue Warriors. Et ce qui est intéressant c'est que le Lucian il est pas forcément bot lane, il peut aussi être mid. On a eu Perse, on a eu récemment qui a joué le Lucian mid face à une Zoé d'ailleurs. En parlant alors Estam Kench au niveau de la bot lane des Katie Rollsters. C'est une Jolene qui est forte, c'est une Jolene qui tombe pas. Et c'est une Jolene qui peut aller partout sur la map avec cette traversée des abysses. On sait qu'au bout d'un moment, le Tam Kench peut laisser le S tout seul dès qu'il augmente les givrants. Je vois un double smite là chez Katie. Je dis ça, je dis rien, mais je vois un double smite. Ouais. Après Yukal, c'est peut-être son sort d'invocateur de la game précédente qui est resté avec sa Tanya Funneling. Côté Rogue Warrior, ce sera une Soraka Lucian en bot lane. Alors, sachant que Soraka pour l'instant c'est bot lane, on n'a pas vu autre qu'en support. En tout cas Killua l'a déjà joué une fois durant la saison régulière mais bon. On en a vu en ADC. On a vu des Soraka Luden first. Ça se fait, ça poke tellement en fait, ouais. C'est horrible comme pick, c'est horrible et t'as du mal à le tomber. Ban de Kennen, attention au pick Mundo côté Rogue Warrior. Je parlais du fait qu'il joue en counter. S'il commence à ban des picks qui gèlent le Mundo, côté Katie il faudra peut-être s'en méfier et faire le ban du personnage. Deft il est revenu chez Katie en novembre 2016, j'ai occulté une année entière de la vie de Deft dans ma tête, c'est très possible. 2017 n'a jamais existé. Il n'a pas gagné les Worlds en 2017, du coup ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, non mais c'est effectivement, je retire ce que j'ai dit, mais voilà c'est vraiment 2018 qui compte, c'est l'année où Katie sera champion du monde. Tout le reste on oublie. Le fameux ban de Mundo, hein, quitte à ce que Kennen a été retiré, c'était téléphoné. Et on retire le Jace aussi finalement, c'est la deuxième fois qu'il est ban aujourd'hui Jace. Ouais et... C'est vrai que SMEB a joué Kennen sur la top lane en AP. En AP. Ça a été déjà sorti aussi du côté sur un on-hit avec Ginzu BRK. La Ginzu ayant été nerf sur le 8.13, pardon, on est bien sur le 8.13, c'est pas sur le 6.13. J'attends de voir si c'est toujours sortable. Oh Rumble. Et c'est Locke. Oh, c'est tellement fort Rumble, en plus il n'y a pas de clé disponible. Le horn d'ailleurs qui a été ban, je me demande si c'est pas plutôt le horn de Doinby que celui de Mouse qui l'a pas encore joué sur ce split. Rumble qui peut être top, qui peut aussi potentiellement mid lane, c'est déjà vu, on sait jamais selon ce qui se passe. Côté Katie, le Galio qui pourrait être récupéré, alors il y a des dégâts de base très bons pour mon côté Katie et il va manquer le pic de la top lane. Qu'est-ce que tu prends pour face un Rumble finalement? Il y a pas mal de... C'est un Rumble tout de même, c'est tout de même un Rumble en blind. En blind potentiellement, mais avec la possibilité de flex Lucian mid, Rumble mid, on sait jamais trop comment ça peut se goupiller. C'est vrai qu'il y a ça, après Rumble contre Galio. Pourquoi pas, sachant que les Galio partent beaucoup moins souvent qu'avant sur de la résistance magie, généralement ça fait assez rapidement de la paix sur un mid lane. Attends, c'est un Jarvan top ? C'est un Jarvan top. Il a reçu un petit up d'ailleurs, son passif fait au minimum 20 points de dégâts, mais ça fait du bien d'ailleurs ce petit up sur Jarvan. Un Rumble, il peut le lock complètement d'ailleurs dans son cataclysme, on ne sait jamais. Et le talon du côté des... Talon Rumble, Lucian Soraka. C'est pas des pics qu'on voit tous les jours. Alors ça se voit quand même, hein, les Lucian notamment. Talon et Rumble, on en a vu quelques-uns. mais c'est quand même assez surprenant par rapport à nos habitudes. C'est très explosif, effectivement, le teamfight, culling, éradication, l'ulti de talon en plein milieu dans la mêlée, un remorquage, il y a de l'assassinat, ça manque de front lane. Ce qui veut dire que si on arrive vraiment vers du very late game, peut y avoir un très gros problème pour venir engage les fights. C'est ça, je pense, qui va être le problème des Rogue Warriors. Ça va être de venir chercher les fights si jamais ils veulent essayer de snowball. Après, en disengage, tout de même, avec un Rumble, t'as des outils, mais ils n'ont pas beaucoup d'outils en fait. Ils ont tout de même des outils limités, je trouve, effectivement, pour teamfight, même si ça fait beaucoup de dégâts. Par contre, c'est une phase de l'énigme qui peut faire très très peur, avec du Romy notamment de ce talon. Mais s'ils font pas très peur, comme tu l'as dit, arrivera le moment où ils pourront plus sur leurs adversaires, parce que Tam Kench, bon, c'est de base dur à tomber. Galio, pareil, qui peut back up un petit peu tous les alliés. Et un Jarvan, généralement, a quand même de quoi tanker légèrement. Il faut se méfier de la compo Katie. C'est une compo sympathique et agréable à voir du côté des Rogue Warriors. Ça peut snowball vite, mais si ça snowball pas, tu te retrouves un peu dans l'impasse. Il y a tout de même une belle bande de fans à Dalian, là où se passent les Rift Rivals. Les fans coréens qui sont présents. Un peu comme au MSI, on a vu beaucoup de fans chinois aussi d'ailleurs. C'est particulier, les fans chinois ils se déplacent vraiment avec leurs équipes. Hein. Il y a des gros fan clubs chinois, effectivement. Je crois que c'était je crois que sur les premiers jours, c'était 10% de la salle était chinoise au Zénith. C'est pas mal, hein. Ça reste beaucoup. Mal, quand on voit la distance entre la Chine et l'Europe. En tout cas, c'est peut-être une des games les plus attendues en tout cas de la journée. Les premiers du groupe B de la Chine face aux KT Rollsters actuellement, qui d'après moi est la meilleure équipe du monde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? On verra, on verra, la game parlera pour toi. On va voir, pour l'instant la game précédente des KT était certes pour un œil non averti et non initié peut-être un peu rasoir à suivre, mais pour un amoureux de la stratégie c'était une pure merveille. Et j'attends de KT de ressortir une game quasiment parfaite. La perfection n'est appréciable que par les initiés. Je suis d'accord. C'est pas toujours simple à saisir. Et côté Rogue Warrior, on rappelle ce talon sur la mid lane qui va être face à un Galio. C'est pensant que mon entourage m'apprécie. Pardon. C'est que l'entourage. Ouais, c'est les initiés quoi. Qui savent apprécier la perfection, c'est-à-dire moi. J'ai perdu garde. Je suis en train de caster avec un trou du cul de première, il est en train de se dire dans sa tête. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est important de se connaître à sa juste valeur, connaître ses forces et ses faiblesses. Je suis là, je suis d'accord. C'est bien. Et du coup, Mouse sur la top lane, qui est très respecté d'ailleurs de la part de Smeb. Je trouvais ça sympa, ce sera son premier Rumble d'ailleurs de la saison. Et Rumble qui est un pick qui fait quand même énormément de dégâts. Et tout peut se jouer sur un Equalizer. Le truc c'est que on n'a pas grand chose pour lock plusieurs adversaires. C'est-à-dire que c'est au moment où les adversaires vont essayer de venir te lock avec le Galio et tout ce paquet pour tuer un de tes joueurs, où tu vas devoir te saisir de l'engage adverse pour mettre un Equalizer parfait. Mais comment ils vont fixer le fight sur cet Equalizer? Et bah c'est pas eux qui le fixent. C'est ça qui est terrible en fait. Ils ont joué en réaction. C'est ça, ça joue un peu en contre, mais le problème de jouer en contre... alors, ce qui peut très bien marcher contre les KT qui peuvent avoir une tendance au dive foireux, mais si tu joues en contre, le problème c'est que si tu passes derrière, tu te fais rouler dessus parce que ils ont pas assez de disengage, et si tu joues devant, tu as du mal à snowball. Donc en fait, il faut que les Rogue Warriors, ils soient mais absolument parfaits sur leur macro, déjà, première chose. Et ensuite, il faut qu'ils soient de très bons opportunistes, c'est-à-dire que chaque occasion qui va être manquée, il faut qu'ils la punissent très très fort, parce que ces occasions vont être dures à venir chercher et à exploiter. Donc c'est une compo tout de même qui est très intéressante pour les Rogue Warriors, mais je trouve assez dure à jouer. C'est très très dur à jouer effectivement. Bah, les talons de base dans les drafts, c'est dur à placer. C'est dur à placer, c'est que tu arrives dans un fight, tu mets ton burst, et tu dois pas rester plus longtemps que ça. Tu vas pouvoir jouer avec les murs et autres. D'ailleurs, point intéressant, c'est que le Jarvan pourra offrir un mur au talon. Mais ce Jarvan, moi, il me fait peur. Parce que dans le dé, il y a beaucoup de pics immobiles. Il y a 3 pics immobiles côté Rogue Warrior. Il y a Strumble, la Soraka et il y a aussi le Skarner. Et si tu arrives à en bloquer un ou deux dans le cataclysme, bah tu vas forcer des flashs. Et puis Jarvan Galio, hein. Jarvan Galio. On connaît la combinaison. Après, des talons en teamfight, le dernier talon que j'ai commenté, parce qu'il y en a eu d'autres, c'était PoE du côté de chez Opti Gaming en Amérique du Nord. Et c'était des flankings absolument merveilleux. Alors, il se trouve qu'ils ont throw la game en donnant un Nashor d'une façon abominable, mais tout le reste de la game était magnifique. Ah, c'était la fameuse game où ils essayent de finir alors qu'ils n'auraient pas dû. Et ils vont pas au Nashor, etc. Et ils losent une game. Mais ils ont fait le spectacle. Ils t'ont fait vivre des émotions incroyables. Tout était bien jusqu'à ce moment-là. Mais donc voilà, donc, on peut jouer des talons sans avoir non plus une masse infinie d'engage, de contrôle. C'est dur, mais c'est faisable. Et Doinbi est un très gros mid laner. On a vu l'interview de Smeb, on vous a un peu parlé de ses pics, et qui joue des carries. Énormément de carry et des carry bruiseurs en général. Son Kled a été ban, c'est son Horn aussi qui a été ban. C'est voilà, beaucoup de pics efficaces en fait. Et on est parti, dernière game de ce Rift Rivals Asie pour aujourd'hui. Bien sûr, nous reviendrons demain un peu plus tôt, parce que demain ça commence à 8 h du matin. Oui. I will be there. Le bon 8 h. Et je serai présent aussi, effectivement. Smeb, en lettres de lumière. C'est exceptionnellement beau. Alors, est-ce qu'on a de la stopwatch? Oui, il y en a une du côté de Doinbi qui évolue avec une cleanse et le Predator. D'ailleurs, c'est vrai que Talon Predator, alors, c'est vrai que Talon, il a un scaling au niveau de la vitesse de déplacement, c'est par rapport à sa vitesse de jump au-dessus des murs. Plus il se déplace vite, plus les jumps vont vite. Et ce sera un premier dragon infernal. Donc, quitte à avoir une compo qui est là pour snowball du côté des Rogue Warriors, on aime bien ce genre de Drake. Et un Skarner, ça fait assez facilement les dragons, justement. Ouais, bah, tout va jouer sur cette phase de lane hein, pour les Rogues. Après bon, Lucian qui pack vite, un talon aussi sur la Draktar, un Rumble, on connaît le Rumble, hein. La blague c'était Liandry il est full stuff, donc il y a des choses à faire. Sur cette très grosse phase de laning maintenant, eh bien, je demande à voir un pull de la mid lane de la part de Yukal pour son jungler. Les junglers qui évoluent d'ailleurs avec l'Aftershock. On a vu la Sejuani Fit Footwork tout à l'heure. C'est double prédateur côté Rogue Warrior de toute façon. Voilà, il l'annonce clairement, on est là pour aller vite. Et il y a les biens, le ratissage de Doinbi. Et c'est intéressant parce que la compo des Rogue Warrior en fait c'est une compo short range. C'est-à-dire que celui qui a le plus de portée, c'est Doinbi avec son Z qui a 650. Le reste, Rumble, Lance-Flamme c'est 600 et Lucian c'est 500. Je dirais que c'est Soraka, juste pour t'embêter. Il y a la Soraka, je ne peux que le reconnaître. Mais du coup, ils veulent vraiment aller au fight avec le Galio, avec ce Jarvan. C'est assez amusant comme de voir ce genre de draft. C'est très beau, je dirais. Alors, le match-up top. Waouh, c'est un match-up. On remonte dans le temps. On remonte très très loin dans le temps. Donc, forcément, pas évident toujours à discuter. Regarde ces votes. On est en Chine. On est en Chine. Pour l'instant, la Chine compte-t-il gagner RNG a perdu. RNG a perdu. Mais après, ils ont gagné sur le reste de la journée. Ils ont gagné le reste des matchs, la Chine. RNG a perdu. Edward Gaming a arraché sa victoire. Ils ont joué contre les Machis. Bon, voilà. Ouais, mais Edward Gaming a gagné face aux Fricks. Ils ont gagné 2 games. Pour l'instant, c'est du 2-1 du côté de la Chine. On verra si ça se termine en 3-1. De toute façon, ce sera 3-1 pour l'un ou pour l'autre. Alors, il joue avec la stopwatch. Et les potions améliorées de Doinbi, effectivement. Ah, du coup, il va se déplacer encore plus vite. On joue vraiment sur la vitesse de déplacement du côté de Doinbi. Attention, le trade de la part de Yukal. Ça met tout de même beaucoup de dégâts, hein, Galio. Il a encore de quoi stacker de la potion de corruption. Mais oui, de toute façon, Galio qui a un excellent laner en début de partie. Alors, à savoir, Yukal, normalement, on a vu beaucoup de Galio qui partaient très zappés, avec beaucoup de dégâts, parce que de toute façon il compte sur la tankiness que lui apporte naturellement son kit, notamment sur le taunt. Et du coup la question c'est sur quoi Yukal va partir vu le montant de dégâts et de burst qu'il y a chez les rogues. Est-ce qu'il va se dire je pars un peu plus tanking? Il peut faire un mix avec un Seeker Arms Guard des Tabi et ça devrait lui suffire pendant tout leur league game au moins, je pense. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça reste cohérent parce qu'il fera quand même des dégâts, moindres certes, mais au moins il va survivre. Et puis ton but toujours quand t'es en lane face à un assassin, c'est pas de gagner à fond ta lane, c'est de pas mourir et de faire le taf après en termes de team. S'ils pouvaient décaler tout de même, ce serait un grand plus. Sachant que sur la top lane, le dive Rumble Talon sur un Jarvan qui n'a pas forcément beaucoup de points de vie, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très vite, mais dans le sens inverse aussi. Dive à Rumble, c'est toujours un danger. C'est-à-dire que si tu dives et que tu prends un gros equalizer, tu peux aussi offrir les kills en retour. En tout cas, au niveau de la bot lane, pour le moment, ça a l'air d'être légèrement, je dirais, dominé par les Rogue Warriors. Mais c'est léger, c'est parce que c'est une Soraka qui assure de toute façon un poke assez infâme, je dirais. Oui, bah, en plus avec un Lucian. Hein. Ils vont prendre la prison, mais sur toutes les lignes, sauf peut-être au mid, à terme, Katie est censée prendre la pression. Même au top, hein, dès que Mouse aura un tout petit peu d'AP, et pourra bien push. Le Jarvan avant son Tiamat, parce que le Jarvan pour tenir le push sera quasiment obligé de partir sur un Tiamat, je suppose, donc sur une hydre titanesque. Avant ça, pareil, il sera sûrement un petit peu sur la défensive. Ça va pas mal jouer sur score pour les Katis début de partie. Est-ce qu'il arrive à un petit peu venir au secours de ces lanes? Après, sachant que sur la top lane et la mid lane, il y a comme des dégâts mêlés, donc il y a moyen de faire proc le permafrost assez facilement. Et je me demande en fait au niveau de Mouse, il y a un stuff sur Rumble qui peut te permettre d'avoir beaucoup de dégâts très tôt. C'est les bottes de sorcier et l'orbe d'oblivion. Ça te fait 33 d'AP et on sait que finalement c'est dans les early et début de mid-game où le Rumble peut être super fort. Et vu qu'ils veulent jouer l'agression en théorie au vu de leur rune fondamentale et des personnages choisis, on pourrait partir sur un stuff du genre. Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les prochaines minutes. En tout cas au niveau de Jungle Pass, c'est le recall qui a été fait de la part de Score ici, là où Flawless va pouvoir essayer d'aller chercher l'information dans la rivière. Et ça commence déjà à décaler, hein. Pour Dunby, il n'a pas beaucoup de mana. Il va faire son back, voilà, faire peser la menace d'une pression invisible. Je décale pas, ou alors j'ai fait mon back, bon, même si a priori je pense qu'il se doute. Les Katie qu'il n'y a point de danger. Et voilà, une dague dentelée, des bottes pour activer le Predator d'ailleurs qui va être utilisé pour revenir en lane, j'ai l'impression. Ah, il profite du CDS, c'est court, effectivement. Alors, Ruby Crystal du côté de Mouse. On avance doucement sur le stuff et sur la botlane, hein. C'est tellement de sustain en fait. Sceptre vampirique pour Solucian pour la Cutlass bien sûr. Entre Sceptre vampirique et la Soraka, c'est indélogeable. Ils sont pas là, les Katis sont pas là pour gagner la lane. Ils vont manger, normalement ce début de partie, les Katis sont censés manger un petit peu. Mais ils ont un teamfight qui est tellement fort les Katis par contre. C'est tout ce qu'il faudra éviter. Par contre, est-ce que le split si, le split avec un talon tout de même? Attention, Yuka, le taunt, l'arrivée de Score et on va forcer l'ulti sur Doinbi. Bon, dommage pour Doinbi, c'est pour décaler c'est un peu plus compliqué quand t'as pas l'ulti. Mais il survient un gank, c'est ok. C'est ok, il a toujours son avance aux farms de toute façon et c'est sur la top lane. Par contre, on se meb, mais quasi 26 à Mouse. Alors entre 10 et 15 une fois qu'il aura récupéré les creeps sous tour. Mais il a le Tiamat, il a le Tiamat très très vite. Hein. Smeb, il a full rush Tiamat, justement pour maintenir le push. Et ça lui permet de bouger un petit peu, voilà, de prendre de la vision dans la rivière. Et d'offrir bien à son équipe quelques petites sécurités. Ouais, il va pouvoir revenir au top. Et Mouse il a peur du burst, hein. Il a peur aussi du gank parce que ben, le grand défaut d'un Rumble c'est que ça n'a pas d'escape. Ça a peut-être un shield, ça a peut-être un petit peu de vitesse de déplacement, mais c'est pas bien probant contre un Jarvan avec un Cataclysme, Score avec un dash et avec une prison de glace. Et un Blue Smite. Ouais. Généralement quand t'es enfermé tu meurs. Tu acceptes ta mort avec le sourire, ou presque en tout cas. Doinbi l'ultimate qui revient dans pas trop longtemps. C'est vrai que j'avais oublié ce combo. Ils vont tracter des cibles dans l'equalizer de Mouse. C'est vrai que j'avais oublié ça. Tu prends quelqu'un et tu le traînes, tu le traînes dans les flammes au sol. Tu l'emmènes au barbecue finalement. C'est ça. Tu fais de lui une chipolata. Oui. Alors, récupération du Blue Buff pour Doinbi, on a besoin de cette CDR absolument. Parce que s'il doit utiliser des ultimates pour survivre sur la mid lane. Alors même si le petit talon, hein, c'est très court, c'est 100 secondes au niveau 1, il va prendre assez rapidement la CDR avec les items Draktar et autres Yumu. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir spam le ratissage, justement, essayer de garder la pression mid. Et Yukal qui est bien parti sur les Tabi Ninja en first. Pour l'instant, de toute façon, Yukal, il est là, c'est je veux vivre. Ouais, il s'est éventuellement décalé, mais il commence à accuser un joli retard de farm. Voilà, en plus, il y avait l'arrivée de Flawless, faut qu'il soit extrêmement vigilant, Yukal avec son Poulio. Doinbi, c'est compliqué d'aller mettre vraiment la pression au cac d'un Galio. Parce que si tu veux faire proc ton passif, le Galio peut mettre son taunt justement pour réduire les dégâts un peu. Après sur le long terme avec le Booba, de toute façon Doinbi doit pouvoir gérer ça. Et j'ai hâte de voir c'est les gangs qu'il pourra mettre en place. Parce que il n'y a pas vraiment de setup de gang sur les autres lane bot, il n'y a pas de CC. Je considère pas le route difficile à placer une Soraka comme un gros CC. Il y a du dégât. Ça manque clairement de contrôle. Chez les rogues, en fait, mais ça ne manque pas de dégâts, c'est sûr et certain. Et sur la mid lane, oui, tu en parlais, le but pour chacun des deux mid laners, c'est de décaler. C'est pas d'essayer de tuer quelque chose d'insaisissable. Il y a une savonnette avec un ulti d'invisibilité, une cleanse et un flash, avec un mode parcours enclenché pour juke absolument tout, et de l'autre, il y a un tank intombable. Donc c'est le potentiel de kill sur la mid lane doit être soit très bien réparé, soit extrêmement limité. Finalement, du coup, Doinbi qui va devoir joindre ses ganks avec Flawless, hein, majoritairement, comme t'en parlais, pour avoir un peu de CC. Top, il y a eu le Rico de la part de Smeb, bon, rush hydro-titanesque, le push, la survivabilité, ça fait tout à la fois cet item. Les Sera mid lane, on va avoir un séculaire pour Yukal qui va arriver petit à petit. Le Ruby Crystal et Saphir Crystal sont déjà en poche. Mouse finalement qui fait pas le stuff, le stuff péné magique. On va partir sur le Liandry First. Liandry First, il sera full stuff. À l'ancienne. Bah, avant, ça apportait de la péné magique le Liandry. C'est vrai. C'est vrai. Bon, il y a des bots de sorciers qui ont ça. Je suis limite surpris qu'il ait pas. Parce qu'il a pris sorcellerie et en deuxième arbre, il a pris Guardians. C'est ça je crois, je sais plus où je t'avoue au niveau de ces. Oh, la culling de la part de SMLZ. Je crois qu'il allait chercher une chrysalide ou quelque chose comme ça. Pendant que bon. Seul Lucial vient prendre le POC, mais Killua saura le remettre très haut en point de vie assez rapidement. Voilà, c'est chose faite. Même si pendant ce temps-là, ça permet à Deft de stack sa Kleptomancie. Et c'est vrai que Lucian 8.13, on se rappelle qu'il y a eu un nerf de la Culling qui permet plus de clear aussi bien. Attention, ce map décachera mid lane. Le Shadow Assault de Dwinby pour s'échapper une fois de plus. Il touche pas ce map. Mais voilà, c'est une fois de plus Dwinby qui a beaucoup de mal à essayer de prendre l'ascendant pour décaler. Et les Katie Rollers qui font leur move sur le dragon infernal. Premier round de la game aux mains de Katie, c'est pas contesté par les Rogue Warriors. C'est impossible avec ce que vient de prendre Dwinby. Du coup, le décalage de ce map qui aura permis de sécuriser le premier objectif de la game. Et le prochain sera un Mountain Drake à 17 minutes de jeu. Sachant qu'à 17 minutes, on aura les ultis rang 2, notamment du Yukal, de Smeb. Deft peut-être pas, mais au niveau des dégâts de zone et du setup des fights, on sera très bien côté Katie. Par contre, Dwinby à la Draktar. Dwinby à la Draktar, c'est le moment, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, il y a un gantelet givrant aussi qui arrive du côté de Deft. Ils savent déjà, je pense, comment ils vont jouer les Katie. Ils vont jouer en kite, ils vont jouer en counter engage, ils vont jouer en pile contre l'agression. Et il a besoin, je pense, aussi de ce petit bonus d'armure Deft pour survivre à Dwinby. Dwinby qui se fera un plaisir d'essayer de le one-shot à chaque fight. Et Dwinby, il est sur un bon timing. Draktar stopwatch, ça, c'est un talon qui peut dive. Et voilà, et quand on parle du loup... Il est là, Dwinby, en train de rôder avec son Predator, de chercher l'opportunité. Tellement vite en plus. Et en fait, la cible la plus simple à aller chercher actuellement pour Dwinby, c'est Smeb. Il n'a pas d'armure et il n'a pas de Tamkench. Smeb ou Mata. Ou Mata. Mata peut aller chercher aussi. Il y a moyen. Il y a moyen. Après, il y a moins de dégâts sur Lucian Soraka pour tomber à un Mata que ce qu'il y a de dégâts avec un Equalizer de Mao. Sans contrôle, en fait, si Smeb est sous sa tour, c'est dur de venir le chercher. Il a son flash, il a son... En fait, le Rumble Dive, il mange un Cataclysme, un combo, flash out de Smeb. Ça peut être dangereux. Il y a un Galio, hein. Faut pas oublier que si Dwinby décale, il y a un Galio qui est aussi libre de décaler et d'ulti. Donc c'est... Les Rogues, oui, ils ont des opportunités. Elles sont, encore une fois, c'est une composition qui est très dure à jouer. Je trouve que c'est très dur à jouer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer sur des opportunités et snowball dessus. Et si jamais ça ferme trop le jeu... Et tout de même, tout à l'heure, on a une game à 1 partout à 20 minutes de jeu, donc le jeu était, on peut le dire, fermé. Ça va être dur de prendre des kills, ça va être dur de snowball. Ça va être dur, et puis deuxième fois que Dwinby a essayé d'aller dans la rivière topside, il y a des pinkwards à chaque fois, dans le même bush, hein, justement. Le bush un petit peu isolé, du coup Dwinby, bah, dès qu'il veut bouger, il est vu. Pour l'instant, on ne peut pas avoir un talon réellement très efficace. Mais tant qu'il n'y a pas trop d'armure en face, il y a des trucs à faire. Le truc, c'est que l'armure, ça va se stack ultra rapidement. Tabi déjà pour Yukal, t'en parlais Deft, pareil, qui commence le gantelet givrant. Score, il a son passif. On n'est pas dans une game simple à gérer, en tout cas pour Dwinby. Ça peut aller vite, ça peut s'enflammer extrêmement vite. S'il trouve l'occasion, effectivement. Et Dwinby, à défaut de pouvoir décaler, il met une trentaine de CS à son vis-à-vis. Ce qui est tout à son honneur. Il profite bien du match-up, effectivement. Le Liandry terminé du côté de Mort. Il reste son langage de Score et c'est un but pour Score. C'est dommage. Il faudra revenir bien plus tard. On force un flash tout de même. Du côté de Lucian. C'est un amateur de foot. Il vise entre les poteaux. Terminé le gantelet givrant du côté de Deft. Et puis on repart évidemment au niveau du red buff pour le moment. Tu le prononces Smurz. Le nom de la décarée des Rogue Warriors. Smurz. Ah, Smells peut-être. SMLZ, Smells. Smells. J'ai connu des pseudos plus glorifiants. Disons, ouais. Tu vas t'appeler Pu. On verra bien comment il joue, hein, okay. Finalement. Peut-être qu'il jouera super bien et qu'il sortira la victoire. Pour l'instant, il est devant sa phase de lane. Sentir avec une quinzaine de CS, BRK en main. J'attends les premiers mouvements des Rogues. Là, ils ont un temps fort à jouer, je pense, là. Ils ont ce bon potentiel de dégâts, comme tu l'as dit, il n'y a pas l'armure. C'est le moment où il faut essayer de créer la différence pour les Rogues. Ah, attention à ce taunt. Et Dwinby, c'est le troisième ulti défensif qu'il est obligé de sortir de suite. Mais il est niveau 11 cette fois. Et du coup, le CD est un peu réduit. Il a de la CDR en plus, le Blue Buff, 20% de CDR sur un ulti qui est à 80 secondes. Ça devient à peu près correct, entre guillemets. Mais sachant que là, il a pu se le permettre parce que Score n'avait pas la prison de glace qu'il avait tiré bot lane. Et c'est toujours le problème. C'est que si Score vient, parce que les dégâts d'une Sejuani et d'un Galio à ce moment-là, t'as moyen, je pense, de tuer un Talon. Pas loin, en tout cas. Largement, mais il a de la marge. Hein. Il a cleanse, il a ulti. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y aille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il refuse de cleanse et la prison de glace et le taunt pour mourir, je pense. Donc ça rend la tâche assez difficile pour Katie. C'est un peu plus dur, effectivement. Et un angle de ce map sera mid lane. Ce qui est particulier, c'est que le cataclysme, ça pourrait donner avantage à Dwinby parce que ça peut bloquer Score et Yukal, là où Dwinby pourra sauter par-dessus. Ça va falloir bien se coordonner finalement du côté des Katie. L'armure qui arrive sur la top lane avec les Tabi Ninja pour ce map. On s'en méfie tellement finalement de ce Talon. C'est fou parce que dans son match-up, ouais, ça lui sert à rien. Ça lui sert absolument à rien. Allez, si. Le Rumble qui vient de taper dessus en zone rouge. Ouais, il fait des dégâts magiques en zone rouge en plus. Mais oui, mais même en plus, ouais, non, ça lui sert vraiment à rien. Attention, Dwinby qui est prêt à partir ici. On va essayer de s'échapper, mais oh, le flash tout de même pour esquiver la prison de glace. Dwinby, le flash de la part de Score. Dwinby qui les met dans le vent. Dwinby, jusqu'où pourra-t-il s'échapper? Peut-être dans la base adverse. Il va aller dans la base, il a pas le choix. C'est un Talon. Il doit aller dans leur base, il doit aller. Est-ce qu'il peut passer entre les deux tours? Est-ce qu'il peut passer? Oh, le double coup de tour! Et le kill qui est récupéré par Score. Le first blood qui ira à Katie sur cette tentative d'invade des rogues. Ah, il est parti trop loin, Dwinby, trop loin. Et pourtant, il a une belle avance de farm face à Yukal. Il avait 35 CS, quasiment 40. Ils l'ont vu partir, ils ont instantanément décalé pour le shutdown. Mais où est-ce que tu vas? On t'a pas, on t'a pas autorisé à quitter ta mid lane. Reste là. Bouge pas. Tiens, remets un autre ulti défensif. Hein, et on se reparle plus tard. Mais il y a une deuxième date, donc là, attention, le trade pris par Smells sur la bot lane. Et il y a Flawless qui est pas loin. Flawless, la téléportation de la part de Mouse aussi. On arrive bot, la dévoration, il n'y a plus de dévoration maintenant, on ramène Mata directement dans les dégâts de la team alliée. Maoz ici, l'équaliseur qui est pas ouf sur ce même, mais voilà, il y aura un kill tout de même, récupéré par les Rogue Warriors sur Mata. Il y a un kill, on va devoir essayer de rentabiliser cette action avec peut-être une tour, sachant qu'il y a un héros de la faille qui tombe pour les Katie de l'autre côté de la carte. Killua, il a plus du tout de points de vie. Il a fait l'ambulance, c'est bien. Mais il faut qu'il se méfie maintenant, on va essayer de retourner sur Deft, forcément Deft. Oh, il joue de la part de Deft, il sait ce qu'il va mourir, ça fait tellement mal. Ah, trop confiant, trop confiance et aussi petit oubli des dégâts d'un Rumble sous Liandry. Par contre au top, on est en train de toucher avec l'héros de la faille, il y a une téléportation de Smells pour essayer de revenir rapidement. Le décalage de Dwinby, il a un ulti, oui il a un ulti, il a tout le temps son ulti Dwinby. L'ulti sert juste pour s'échapper. C'est voilà. Alors c'est bien parce qu'il maintient l'attention de Score sur lui en grande partie, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que ça va suffire tout au long de la game? On verra bien. Alors BF maintenant dans les mains de Smells qui devrait récupérer très rapidement l'essence River. Et pas de Black Cleaver une fois de plus hein, sur ce Lucian. C'est le deuxième Lucian qu'on voit comme ça de la journée, qui fait directement BRK into essence River. Après l'avantage c'est qu'avec ce combo là, sur un burst avec l'ultimate et justement les spells qui reviennent grâce au passif de l'essence river, tu fais beaucoup de proc de BRK. Donc t'as énormément de dégâts mais il y a beaucoup d'armure en face. C'est un peu surprenant. Il y a 5 Tabi Ninja. Voilà. On sait de quoi s'engager. Attention hein. Attention à ce Rumble. Ce Rumble ça peut être l'écueil de Katie Rolster. Pour l'instant ils n'ont pas vraiment de plan de jeu contre lui. Et les Chinois qui encouragent leurs représentants, notamment avec un dragon du mental. On sent qu'ils ont activé les micros d'ambiance là tout d'un coup. Ça rend bien, hein. J'aimerais beaucoup voir le public, hein, voir le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Elle est tellement belle la selle. La scène, entre la salle et la scène, la selle. Très bien. Parce que la selle c'est tout de suite moins beau. Bah ouais, c'est... It smells. It smells. Ou alors tout simplement, si t'as l'esprit mal tourné, ça pourrait être une selle de cheval, tu vois. Mais bien sûr. Où avais-je la tête? Évidemment. La selle de Score sur son animal. Exactement. Exactement. Dwinby qui se retrouve au niveau de la bot lane et devrait être moins inquiété par Score d'ailleurs à cet endroit là de la map, plus safe. Par contre on nullifie complètement ses possibilités de décalage. Mais il va split. C'est plus ou moins son, pas son rôle, parce qu'il n'a pas de téléportation. Mais c'est peut-être là où un Talon excelle. Après un Talon avec Predator, TP pas TP, il active son Predator et il fait une ligne de droite à travers tous les murs de la carte. Il décale effectivement assez vite hein. Finalement c'est vrai que c'est pas un mauvais choix, parce que ça veut dire qu'il arrive potentiellement un peu après le début des teamfights, au moment où les gens sont low HP. Ce qui est un peu le terrain de jeu d'un Talon. Il pourra s'en donner à cœur joie en théorie. Deuxième item pour Maoz en préparation, le Zonia du côté de Smep, ça va être le Black Cleaver de la CDR et un peu plus de tankiness pour le top laner des Katie Rollsters. Il va devoir rentrer dans la mêlée, il le sait très bien de toute façon. Même s'il sera épaulé par Yukal, il faut survivre. Ouais, pour l'instant, voilà, on essaie de remettre de chaque côté la pression sur la mid lane. On a toujours Score qui est laissé, pardon, Score Smep qui est laissé assez tranquille au top, qui a pris son avantage au farming sur le décalage de Maoz. On a maintenant la Yuumi du côté de Doombi qui revient aussi vite que faire se peut sur cette botlane, récupérer ses waves de creep. Mais finalement c'est intéressant la combinaison des KT parce que t'as pas mal de dégâts magiques avec le combo Sejuani et Galio. Puis bon là c'est pas déjà, attention à la prison de glace par contre directement sur Flawless qui est prêt à partir. Le remorquage ultime du Galio qui touchera personne finalement. Non mais bon, Score restera vivant, c'est il flash du côté des rogues, là où ça n'aura pas coûté grand chose aux KT. Un petit avantage au summoner. Après, est-ce qu'on va être capable de convertir sur cette tour? On met la pression. Attention, voilà, au flanking de Doinbi. Il fait très mal. Hein. Yumu Draktar. C'est un talon qui est très dangereux. J'ai peu des pop le plus facilement. Celui qui a le moins d'armure, c'est Smeb. Et encore. Et il a des points. Encore attention, Maoz qui va être prêt à partir. Si Maoz qui peut pas s'échapper, c'est l'Equalizer pour tenter de mettre des dégâts. Mais c'est une destruction au Rumble. TP cancel de la part de Yukal. Ah, il n'a pas encore sa stopwatch. Il est parti sur le protège-bras du savant pour aller faire son connex méphitique. Et du coup, il pourra pas tomber jusqu'à l'arrivée de son équipe. Un petit pic pour Katie qui continue, voilà, qui veut cette T1 mid, qui veut essayer de récupérer un Lido Gold. La draft des Rogue Warriors les aide pas vraiment à faire une game simple. Hein. C'est dur à jouer. C'est dur. À moins qu'on ait un Bambi à un moment qui fasse des choses magiques. Moi, de mon avis parfaitement objectif, c'est un manque de respect envers la meilleure équipe du monde qui est Katie Rollster. Mais c'est en toute objectivité, je ne cherche à influencer absolument personne chez nos spectateurs. Ah, s'il gagne, je te suivrai là-dessus. Seule la victoire parlera pour moi. Je reste complètement impartial. De toute façon, toi ta région, elle joue ce soir. Ma région. Tu me dis, ah, j'ai défendu les couleurs des NA avec toi dans notre trailer d'intro. Oui. Nous nous retrouvons finalement dans cette beauté qu'est le jeu nord-américain. Bah, le jeu nord-américain, c'est toujours quelque chose qui va me raconter une histoire. Et oui. Une histoire, c'est plein de péripéties, c'est ça qui la rend intéressante. Et on aime les histoires. L'Amérique a à la fois l'histoire européenne, de l'histoire un peu moins coréenne maintenant, même s'il y a toujours Uni et Reignover bien sûr, et Impact. On a de l'histoire d'un peu de tous les pays du monde, c'est un melting pot d'histoire l'Amérique. Avec beaucoup de Coréens. Je sais pas s'il y a plus de Coréens ou d'Européens. De Coréens. Ah, en Amérique du Nord? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens maintenant. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a une recrudescence européenne. Maintenant que Santorin a eu un titre de MVP, si tu veux, ouais, alors tout ce que je pensais des amis a changé. Par sa propre équipe. Hein. Certes, mais quand même, c'est un sneakers MVP. C'est comme si je décidais de m'auto-décerner MVP nos flex à 5. Je connais pas la valeur de ce MVP. Attention, une fois encore pris à partie, le Shadow Assault pour s'échapper, mais va être chaise évidemment. Par Score ici, plus de flash du côté de Doinbi. C'est Doinbi. Tout ce qu'il a tenté de faire depuis 23 minutes de jeu, ça c'est fini, on a ulti out. Toutes ses actions finissent par un ulti out. Ouais, mais au bout d'un moment, son ulti reviendra toutes les 36 secondes. Ah, et bah, là, ça va changer. J'espère, j'espère. Hein. Ça va être terrible. Ça permettra peut-être de survivre à un gank toutes les 30 secondes. Non, ça, c'est un bait. Ils respectent tellement Doinbi qu'ils en oublient Maoz. C'est un flash-in sous cette tour. Et on va mettre, il n'y a plus d'ulti par contre du côté de Doinbi. Et c'est tanky sur Mata. Il y a Yuka qui pile juste devant avec Score qui empêche le fight. Rogue de se décoller directement sous la tourelle, c'est pas mal tout. Flawless qui devrait tomber rapidement. Maoz qui arrive à se prendre des kills sur Mata, c'est chose faite. Def c'est seul avec peu de HP. Maoz le chase sur Score, Maoz qui peut continuer, ça fait 2 kills en faveur des Rogue Warriors. Par contre il est tout seul. Il reste Maoz, on revient te chercher petit Rumble. Le Zonia qui mis le barrage Térébrant, ça n'arrêtera pas les Katie. Mais c'est l'ultimate agressif de Doinbi, il va mourir. Le coup de tour, c'est une clown fiesta sous cette T2 bot lane. C'est une énorme clown fiesta, on l'appelle le Smep Dive. Et ça marche, ils prennent une tourelle. Ils prennent une tourelle. Et il y a Killua en fait qui était mort juste au niveau des loups avant le fight. Et du coup c'est un 4v5 pour les Warriors. Avec Moose qui arrive derrière, complètement dans le dos sur cette téléportation, qui met un ulti sur toute la brochette Katie qui se sent obligée d'aller encore plus loin dans le dive. C'était exactement ça. Et là Killua il va se faire détruire ici. Ouais, à Killua. Ah, oh, le flash raté. J'avais pas vu le flash raté. Il est pas si raté, il évite la prison de glace, il flash la prison de glace. Ouais, mais de l'autre côté du mur, il aurait été en vie. Je sais pas s'il avait la range, à mon avis il a réflexe flash vraiment pour éviter. Je pense que le move est pas si mal, mais derrière il y a trop, il y a aussi un aise. Alors là l'intervention de Mouse est vraiment excellente. Le problème c'est que son équipe se fait terminer, il en arrive peut-être 2 secondes trop tard, il serait bien un tout petit peu avant Mouse, ça aurait été le tombeau Katie Rolster. Et là bon, il se retourne sur lui et Dwinby qui va pouvoir mettre son premier ulti agressif. Et qui était déjà revenu hein. Ah bah c'est très court de toute façon, Talon c'est 100 secondes, 80 et 60, il a des items CDR. Le def qui revient encore plus deep pour aller tanker la tour et prendre son kill. Ça fait 3000 gold d'avance pour les Katie. C'est avantage Katie, hein. Je rappelle que la compo Katie avec tous ses engages, avec tous ses contrôles, elle va être dure à gérer pour les rogues. On a pu en voir un petit peu un prémisse, parce que c'est tout de même une action à l'avantage de Katie avec un dive sous une tour de 30 secondes. Donc c'est pour dire la difficulté de fight des Rogue Warriors un peu dans cette configuration. Et moi ça me rassure pas qu'ils soient déjà en train de se prendre à la piquette. Mais dans un Ash Pit, au moment où on peut voler des trucs, bon il n'y a pas de Sunfire ici, quoique il y a le Cinderrock du côté de Flawless, on sait jamais. Dans un Ash Pit, un Equalizer et un Shadow Assaut du Talon, ça peut faire extrêmement mal. Et j'aime beaucoup le stuff de Smeb. C'est un ancien top laner des NA qui faisait beaucoup ça sur les Jarvan. Full DPS avec Trinité, Draktar parfois. Là c'est Trinité titanesque, into Ange Gardien je pense, pour rentabiliser la stopwatch cassée. Mais ça fait beaucoup de dégâts. Et un S avec Gantelet Givrant normalement qui fait un peu moins mal. Là il va bénéficier de la réduction d'armure apportée par la frappe du dragon de Jarvan. Donc en soi, ça fait quand même mal à compo de Katie. Elle fait mal, non mais il manque pas de DPS, hein. Surtout quand il n'y a pas de tank en face. Surtout quand il n'y a pas de tank, effectivement. La seule tankiness, c'est Killua qui va spam heal. Et qui a d'ailleurs un Michaels ici. On va absolument pas mettre à Sekari, c'est tap. Tap, il n'y a pas de CC qui existe pour toi, tap, tant bien que mal. Ça manque d'un Black Shield en fait peut-être pour Smeb. Smeb, est-ce qu'on peut l'attraper? Le remorquage justement sur Smeb, l'entrée héroïque, mais là il y a la prison de glace derrière Smeb. Smeb qui vivra mais pas longtemps. Mouse prend le kill éradication directement placé sur Yuka qui essaie de s'échapper mais qui prend 0 dégâts. Score, deuxième kill en faveur. Et Dev qui est rentré dans la mêlée et qui vient chercher les kills notamment sur Flawless avec un tir mystique. Voilà, et Katie qui remporte ce fight. Tout de même les Rogues se sont fait détruire à 3 contre 5. Ils respectent pas le Galio. Ils respectent pas le Galio. Même en fait. Yukal et Score ont dégommé quasiment tout le fight des Rogue Warriors avant l'arrivée de Def des deux Mata. Ah, les Rogue Warriors espéraient pouvoir détruire Smeb rapidement, mais forcément Yukal, l'entrée héroïque, ça réduit tellement les dégâts. Et ce sera un baron Nashor. Bah voilà, j'avais dit qu'Equalizer plus Shadow Assault dans le Nash Pit, ça pouvait être dangereux, mais finalement, un joueur meurt est un joueur qui ne DPS pas. Et là, pour le coup, c'est peut-être le point de non-retour. C'est l'ange gardien qui sort pour Smeb. On va revoir. Et le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à le tuer avant que le Galio arrive. Ah, il manque la stopwatch qui fait beaucoup de bien. Ah non, c'est même pas de stopwatch hein. Non. Il n'y a plus la stopwatch. Oh, et la Mouse, il se retourne sur lui. Enfin, juste les dégâts du Jarvan de base ont été insane. Et à l'arrivée du Galio après. Et ces deux personnages-là, vu que tout le monde était paqué côté Rogue Warrior, c'est le problème de ce fight dans la jungle. Tu veux catch un joueur dans la jungle, c'est bien, mais forcément les dégâts de zone adverse vont te détruire. Mouse, il est bien, ceci dit. Mouse, il est à 5-3 et il n'y a toujours pas de résistance magique en face. Il a pris beaucoup de kills sur le dive en bot lane avec sa très bonne téléportation. Par contre, est-ce qu'il peut carry toute l'équipe tout seul? C'est la bonne question. S'il peut carrer un teamfight, ça peut leur permettre de gagner du temps, de revenir un peu. Ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas un combo en fait pour venir superposer sur ce Rumble. C'est ça le problème, c'est que ce Rumble, il peut pas tout carry non plus parce qu'il lui faudrait une front lane. Il lui faudrait ce Galio, tu vois, le Rumble Galio, je me ferai pas de soucis sur la capacité des Rogues à retourner la situation de la partie. Mais là, malheureusement, avec ce retard maintenant, et ce manque toujours de contrôle, c'est très dur et il peut pas avancer. Flawless. Barrage térébrant. Le problème c'est que Flawless n'a pas non plus de résistance magique. C'est le truc, c'est qu'il n'y a pas de résistance magique mais dans aucune des deux équipes. Donc effectivement Mouse est un danger, mais en face, Ez l'ulti c'est magique, Galio Sejuani c'est magique aussi. Du coup tu vas te prendre des combos tellement violents avec ses 8000 gold de retard. La T2 mid qui pourra pas être défendue du côté des Rogue Warriors de toute façon. La T2 bot est déjà tombée. T2 top aussi, on va pouvoir avancer vers les T3. Et comment ils font là? Comment ils engagent? C'est quoi la porte de sortie dans cette situation avec la compo des Rogues? Ils peuvent pas engage, pas wave clear. La porte de sortie c'est l'erreur Katie. C'est ça, c'est le dive foireux. que ça. Et un bon equalizer. Il faut le dive foireux et le bon equalizer. Ça fait beaucoup de conditions à Dwinby qui va essayer de faire un flank. C'est vu. C'est complètement vu. Côté Dwinby, le one shot de la Ward avec la Draktar, histoire d'éviter de perdre du temps. Mais voilà, ils étirent le fight, les Katie, ça se dirige sur Yuka, le temps il se retourne et il les charge. Il les attendait de pied ferme. Et la destruction de toute l'équipe chinoise est en cours. Morse qui parviendra à s'échapper à peu de choses, sous Smeb qui continue, Dwinby qui ne sert pas à grand chose ici et Deft qui va faire le chase. Très loin Dwinby, oh j'allais dire va mourir mais non, il s'échappe, le flash, c'est l'éditeur top qui tombe en faveur des Katie Rollster et 11 000 gold d'avance noire, 1 minute avant le prochain dragon infernal. C'est carton plein pour les Katie, c'est une draft qui est facile à mettre en place. C'était peut-être trop ambitieux la compo Rogue, peut-être que ça voulait trop snowball. Et que malheureusement ils n'ont pas réussi, à appliquer leur composition. Je pense que ça s'est beaucoup joué sur le focus sur Dwinby, qui est peut-être le main carry de cette équipe Rogue. Il a pas pu, il les a ouverts tout seul. Dwinby s'est fait camper dès qu'il avait un ulti de toute façon. Ouais c'est ça, il fait camper du début à la fin, toutes les 50 secondes. Et il y avait un petit gank qui arrivait sur Dwinby, histoire de bien le rendre inutile. Bon bah ils n'ont pas respecté les 5 Katie. Non. Ça arrive à plein de gens. Et voilà, le rappel à l'ordre et à la réalité pardon est toujours aussi abrupt. Ça fait extrêmement mal, le Sterak maintenant en poche pour Smeb. Donc déjà que Smeb était dur à tomber, en soi on l'a vu avec Yukal en backup, l'ange gardien et autres points de vie qu'il a avec son stuff. Il y aura le proc de Sterak en plus. Et je me demande finalement du côté de score sur qui est positionné, le vœu de chevalier, mais on le voit, c'est sur Deft. C'est un rabadon maintenant dans les mains de Mouse, il n'y a toujours pas de RM en face. Mouse peut-il faire un equalizer pour faire griller ses adversaires? Il peut. Il peut, je suis pas sûr qu'il tuera, mais... de toute façon ça vaut le coup d'essayer. Au point ils en sont... Allez, l'infernal. Et le moment où tu vois la téléportation comme ça de la Décari, c'est que tu sais que voilà... ils viennent pour faire mal. Ils sont pas venus pour économiser quelque chose dans un éventuel fight. Non, non, on claque la téléportation pour être coordonné. Extagon Blade, du côté de Deft. Un petit peu de burst. Bah, comme il n'y a pas de RM en face en plus. Clairement, pourquoi pas. Ok. C'est rapide. C'est rapide, effectivement. Et il n'y a pas de temps qui va pas partir sur une BRK. Non, mais en soi, c'est... c'est tout à fait justifié, le prédateur qui a été claqué de la part de Flawless. Et Dwinby ne pourra même pas prendre la ward. Il est marqué à la culotte Dwinby par l'armée de tank Katie Rollster. Bon sang, il gêne la base. Dwinby pris à partie une fois encore. Le Shadow Assault défensif. On va s'échapper. Kiwak n'a plus de points de vie maintenant. Score qui est ramené. Score qui tombe sous les coups de Mouse. Ça y est, un kill en faveur des Rogue Warriors sans mourir. Cet equalizer, mais ils peuvent pas fixer grand chose sur l'equalizer. Il est eu très chaud. Là-dessus, Dwinby, ça les empêchera pas de perdre un deuxième inhibiteur. Et les Katie qui vont pouvoir faire leur back. Il y a un baron dans 1 minute 30 si jamais ils ont des difficultés pour passer. Mais on l'a vu, hein, l'équalizer il tombe, bah, les gens ils s'écartent. Tout simplement. Et ils ont tous des dashs en plus. À part Mata, ils ont tous des dashs. Attention le catch, peut-être sur Yuka, la traversée d'abysse de Mata en backup. Justement, on se retourne dans la mêlée. Yuka qui met d'énormes dégâts. L'arrivée de Smeb pour lock tout le monde. L'autre héroïque qui lui va tomber. Dwinby n'a plus de points de vie. Flawless est mort lui aussi. Et Mouse va les suivre. C'est une boucherie. Ils ont pas les bons outils. Les Rogues, ils ont pas les bons outils. Quand à partir du moment où Yuka peut se retourner à n'importe quel moment pour quasiment one shot la totalité de l'équipe ennemie. Oh, c'est tellement dur pour les Rogue Warriors. Et c'est ça. Alors finalement les deux seed 1 de la Chine ont perdu. Ouais. C'est dommage. C'est terrible de dire que les seed 1 perdent en fait. Les seed 1 alors actuels, pardon, les deux en tête des poules en Chine. Voilà. C'est ça. RNG est seed 1 et ils sont seed 3 en l'occurrence. Ils étaient seed 3 à l'époque comme Katie, qui est actuellement seed 5. Oui. Voilà, le seed 5 de la Corée qui bat le seed 1 de la Chine. Ai-je besoin d'en dire plus? Bon après c'est vrai que c'est Katie Rollster, c'est pas n'importe quel seed 5. Mais le site 5. Même Esketti a gagné à partir de là. Est-ce que, la Chine est vraiment forte ou est-ce que seul RNG s'est joué? Ils ont joué contre le site 8 de la LMS. Hein. je remets les choses dans leur contexte un petit peu comme ça. On verra ce qu'ils donnent demain, hein, les Esketti. Esketti demain, ils vont jouer contre Invictus Gaming. Hein. Bah, j'ai hâte de voir justement ce que ça peut donner. Ah, moi aussi. J'ai un peu curieux. C'est dans tous les sens, j'ai hâte. Mais belle game des Katie. Bah, les Katie sont pas embêtés, ils ont pris une compo efficace, facile à mettre en place. Et ils ont juste empêché de Winbeat jouer. C'est bah écoutez, vous avez un talon qui doit roam. S'il roam pas, il est inutile. Bon, on va l'empêcher de roam. Un talon sans ulti, c'est tout de suite moins efficace, bien sûr. C'est pas flamboyant le style Katie pour l'instant sur Survive Rivals, mais Dieu que c'est efficace. Oui, c'est... Bah après, comme ils ont moins pu préparer les matchs, je pense que habituellement LCK, ils préfèrent jouer des choses faciles en fait, entre guillemets. Mais ça gagne. Et c'est ce qui compte. Ils gagnent pas pour eux, ils gagnent pour la Corée. Je suis assez d'accord. Ça fait donc 3-1 pour la Corée actuellement, c'est 3-1, c'est ça? Eh bien, ça veut dire qu'on a Africa perd oui, bah, contre Edward Gaming. Katie gagne contre les MAD, SKT gagne contre les Machi et Katie regagne contre les Rogue Warriors. On peut compter sur Katie Rolster. C'est pour ça qu'il faut les envoyer aux Worlds. S'ils sont assez bons, peut-être. Plutôt que d'envoyer les autres. Peut-être que les Griffins vont leur piquer la place. Les Kingzone là qui donnent rien là contre la Chine. T'envoies les Katie, c'est bon. Les 4T. Africa pareil, ils perdent contre Edward Gaming, c'est pas fiable, c'est pas fiable. Les 4T. Les 4T pour l'instant, effectivement, ils ont fait leurs deux matchs, ils ont gagné les deux, ils peuvent repartir la tête haute. On rappelle un petit peu le format tout de même d'ailleurs de ces Rift Rivals. Les équipes sont seedées, 4 équipes, chacun un seed. On affronte une fois les équipes de même seed, donc le seed 1 de la Corée affronte le seed 1 LMS, le seed 1 LPL, etc. pour seed 2, 3, 4. Ensuite, la région qui a le plus de points passe directement en finale pour jouer donc dimanche. Les deux autres régions s'affronteront samedi dans un BO5 où les coachs choisissent en même temps les équipes, donc pas de counter ou autre. Et chaque équipe ne peut jouer qu'une fois dans ce BO5, sauf si évidemment ça va jusqu'en 5 games. C'est ça, donc ce qui serait intéressant, j'aimerais bien que ça aille en 5 games pour voir effectivement un double affrontement. Le format est super bien. Je trouve vraiment que le format est extrêmement sympathique, effectivement. Ça change des compétitions habituelles, c'est pas moins compétitif, mais c'est plus... Pas sur la surprise, le bluff un peu. C'est Clan War, c'est un peu à l'époque, si certains se souviennent, donc c'était en 2014, les LCK-A LTE LoL Masters 2014 justement, qui était une compétition par équipe au sein de la Corée avec les line-up sœurs qui venaient jouer. Et donc il y avait une première game avec une équipe... Équipe A contre équipe B, enfin donc chaque coach désignait son équipe, puis après tu avais l'autre équipe qui rentre en jeu, il y avait un troisième match qui était joué où les équipes pouvaient être mixées, avec au minimum un ou deux mix qui étaient obligatoires, inter-équipe entre joueurs. Et il y avait eu ce tournoi en marge de la LCK, et qui était un peu dans l'esprit Clan War, et on le retrouve dans ce Rift Rivals, alors sous un autre format encore, je dirais même encore plus sympa, mais il y avait eu cette petite chose qui avait été faite. Bah, c'est plutôt sympa, et EUNA c'est un peu différent évidemment, parce que ce ne sont que deux régions qui s'affrontent, donc chaque équipe affrontera match aller, match retour les équipes adverses, ça se joue en 3 jours évidemment, et le samedi ce sera la finale des Rift Rivals EUNA, et là par contre, la région qui a le plus de points va pouvoir choisir ses équipes en counter de l'autre région. Donc imaginons que les NA ont le plus de points parce que c'est ce qui va arriver. Ils pourront dire bah vous mettez Splice, qui va battre Splice? Liquid. En fait, ils pourront envoyer n'importe qui, même les Golden Warriors, de toute façon. NA supérieur à eux. Si. D'après le trailer au gaming, je suis donc un fervent soutien de l'Amérique du Nord, et je dirais donc, je suis entièrement avec toi Gardoum, et je mettrai mon esprit critique au placard, hein, mais au fond de moi, mon âme et mon cœur saignent d'entendre ces saintes horreurs. Tu verras, l'année dernière tu disais la même chose. C'est vrai. Et MVP de la game, on nous dit dans l'oreillette qu'il s'agit de Yukal, avec son Galio, oui, pourquoi pas, je pense que c'est une performance d'équipe, mais c'est vrai qu'avec son Galio, il s'est retourné à un nombre... de fois extraordinaire pour tout simplement faire face à 1v12 les Rogue Warriors. Ça faisait tellement mal, mais cette composition en mode bah, on a plein de dégâts de zone, vous aussi mais vous n'avez pas d'engage, bon bah ok. Ça paraissait tellement facile d'être Katie, c'est bah vous engagez n'importe lequel de nos joueurs, Galio fait R et à 2 on vous tue. Le 2v5. Du coup, ça signe la fin eh bien, de cette première journée de Rift Rivals Asie. Demain, on enchaîne la suite des matchs, donc on aura Edward Gaming contre les G-Rex. Je vous conseille d'aller voir le logo de cette équipe taïwanaise. Kingzone contre Flash Wolves, Rogue Warriors contre MAD, Invictus Gaming contre SKT, très gros match, Africa Freaks contre les G-Rex, et pour finir, un petit RNG Kingzone, ça se passe à 8h du matin demain, donc pas 9h, c'est 1h avant, et on vous retrouve avec plaisir, et bien sûr on se retrouve à 20h30 ce soir pour le pré-show du Rift Rivals EUNA. Bon après-midi sur Gaming, on se retrouve ce soir.